celui-ci, c'est le modèle que j'ai peint durant la finale des championnats du monde de body painting qui avait lieu en Autriche au mois de juillet. Et ben, c'est le modèle qui m'a permis de remporter le titre de champion du monde. Pour preuve, le trophée qui est ici. Bah, et je suis d'autant plus fier d'avoir gagné cette année avec ce modèle parce que c'est le thème imposé, c'était culture, tradition, votre histoire. Et donc je suis très content d'avoir pu parler de la Caraïbe de manière générale, de la Guadeloupe et de mon histoire, de mon évolution artistique. Donc voilà, si je pense s'il y avait une année où je devais gagner, c'était bien cette année. Donc je suis très content et très fier. Je pense que c'est un art qui pose beaucoup de problèmes dans le sens positif du terme ou non, parce que premièrement il confronte le regard au corps nu et au regard des autres, et souvent les modèles utilisés sont des modèles féminins, donc on a souvent un problème avec ça. Après c'est un art très très éphémère, avant même de prendre une douche ça peut commencer à disparaître avec la sueur, avec les frottements, etc. Donc ça commence à se faire connaître, la preuve, hein, l'affiche c'est du body painting, l'affiche de la Poule Artfair c'est du body painting, je suis là en tant que body painter, en tant que graffeur mais aussi body painter, donc voilà ça évolue, mais je pense que oui, face à toutes ces choses, on a tendance à être un petit peu réticent sur cette forme d'art. Et parfois tout simplement un peu gêné. Ouais, chaque modèle est travaillé différemment. Moi c'est en fonction de l'inspiration, en fonction du thème, en fonction de ce que je traite et que ce que je veux dire et exprimer. Je vais peut-être commencer d'abord par trouver la forme et ensuite y mettre mes éléments et ensuite raconter mon histoire. Parfois j'ai tout de suite l'histoire dans ma tête, donc je cherche à chercher mes éléments et ensuite comment les placer. Parfois j'ai déjà mes éléments mais il faut que je raconte l'histoire et que je crée les formes. Voilà, ça dépend vraiment de l'inspiration et du thème et de l'alchimie. Et du corps aussi, de la personne. Je ne vais pas faire la même chose sur ce corps-là que sur un corps beaucoup plus svelte ou beaucoup plus large et avec des formes beaucoup plus évoluées, beaucoup plus arrondies, etc.